Seigneur, nous te disons merci. Father, we say thank you. Parce que tu es descendu au milieu de ton peuple. Because you came down amongst your people. Merci parce que tu as accepté les fruits de nos lèvres. Thank you because you accepted the fruit of our lips. Merci parce que nos chants sont montés vers toi comme un parfum de bonne odeur. Thank you because our song went up to you like a good odor of a perfume. Nous croyons, Seigneur, que maintenant tu veux nous parler. We know that, Lord, you want to speak to us now. Ainsi, Seigneur, sois les bienvenus. And so, Lord, be welcome. Utilise ma voix. Utilize my voice. Utilise mon corps. Utilize my body. Utilise les exemples que je vais donner. Utilize the examples that I will give. Afin d'établir en nous un caractère chrétien. So that you can establish in us a Christian's character. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous avons ainsi prié. And we so prayed. Amen. 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 Acclamez l'Éternel. Alléluia. Clap for the Lord. Clap for the Lord. Alléluia. Vous asseoir, merci. You may be seated. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Good morning to everyone. Bonjour à tout le monde. Good morning to everybody. Je croyais que quelqu'un allait être un peu aussi compatissant envers moi. I wanted, me dire bonjour à toi-même. Hein? I thought somebody was going to be compassionate to say good morning to yourself. Ok, bonjour à tout le monde. Good morning to everybody. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Hier, nous étions excessivement bénis. Yesterday, we were excessively blessed. Et nous sommes allés évangéliser. We went to evangelize. Et nous étions au nombre de 11. And we were 11 of us. Et c'était fantastique. And it was fantastic. Nous avions visité plus de 70 maisons. We visited more than 70 houses. Et... Alléluia. Amen. Et Dieu se réjouit là où il est. And the Lord rejoices where he is. Au mois de février, in the month of February, nous allons faire ça le 29. We'll do that on 29 of February. Lorsqu'une âme s'est convertie au Seigneur, when a soul converts to the Lord, il y a une semence. There is a seed. Et la Bible dit c'est Dieu qui fait croître. And the Bible states that the Lord is the one who makes it grow. Et je sais que le travail que nous avions fait hier, and I know that the work that we did yesterday, va produire des fruits dans les jours qui viennent. Is gonna produce fruits in days coming. Amen. Amen. Mais je n'avais pas vu les mains des gens qui avaient levé leurs mains. Le dimanche passé, I didn't see the people who lift up their hand last Sunday. Avant que, en tout cas, la prière finisse aujourd'hui. Before the prayers finish today. Demandez-vous même pardon à Dieu. You have to ask forgiveness to God. Parce que yourself. La caméra vous a pris. Because the camera took you. Vous avez levé votre main. You lift up your hand. Mais vous ne vous êtes pas présenté. However, you did not come. Vous avez fait un vœu à l'Éternel. You made a vow to the Lord. Mais vous n'avez pas obéi à ce vœu. But you did not obey to that vow. Ecclésiaste 5, 1 à 5 dit ceci. Ecclésiastique 1, 5 to 10 states. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche pour faire un vœu à l'Éternel. Do not rush to make a vow to the Lord. Mais si tu en fais un. But if you do so. Ne tarde pas à l'accomplir. Do not wait a long time to accomplish that. Si tu en fais un, if you do one, ne tarde pas à l'accomplir. Do not take a long time to accomplish donc, that. Hier, yesterday, vous n'avez pas accompli vos vœux. You did not accomplish your vow. Seulement 11 personnes avaient accompli leur vœu. Only 11 people accomplished their vow. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28. The Bible states in Matthew chapter 28, verset 19 à 20. Verse 19 to 20. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Go ye and make all nations my disciples. C'est un commandement. It's a commandment. C'est pas réservé à un groupe de gens. It's not reserved to a group of people. C'est réservé à tout chrétien. It's reserved to all Christians. Allez.
go ye et faites de toutes les nations mes disciples. And make all nations my disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. And teach them to observe all that I taught you. Et à la fin, il ajoute, and at the end, he adds, je serai avec vous tout le temps. I will be with you all the time. Lorsque vous sortez pour aller évangéliser, when you go to evangelize, Dieu est là avec vous. God is there with you. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen to that? Et alors, je crois que le 29 février, and I believe that on February 29, nous serons plus de 11. We'll be more than 11. Amen. Qui sera là? Ah, les gens ont peur maintenant. Hein? La caméra vit, hein? Oh, amen. Voilà. Amen. Amen. Vous savez, la bonne nouvelle, on la cache pas. You know that the good news, you do not hide it. Le mal, c'est qu'aujourd'hui dans ce monde, what is wrong is that in this world today, la mauvaise nouvelle va plus vite que la bonne nouvelle. The bad news go faster than the good news. Si on dit seulement ici aujourd'hui, if it stayed today here, que le pasteur Mike a volé $5,000 de l'église. That Pastor Mike stole $5,000 from the church. Avant que nous terminions le culte. Before we even finish the service. Ça sera déjà sur YouTube, sur WhatsApp. You will be on YouTube and WhatsApp. Parce que même quand on est à l'église. Even when we are here in church. Il y a des WhatsAppers. There is people who are on WhatsApp. Hein? Ça va aller vite. It's gonna go faster. Au Congo, on saura déjà qu'il y a un pasteur là-bas aux États-Unis qui a volé $5,000. It will be known in Congo that there is a pastor in the U.S. that stole $5,000. Et les gens vont dire, mais moi si on me donnait seulement 5 000. And they'll say, if only they give me 5,000. Mais je deviendrai riche. I will be rich. Toi, tu n'as même pas encore managé $1,000. You haven't even managed $1,000 yet. Tu donnes 5 000. And if a $5,000 is given tu to you, tu vas arrêter le boulot pendant 2 semaines. You're gonna stop working for 2 weeks. Et puis tu vas dilapider l'argent comme and ça. And you are going and waste that money. C'est pourquoi il y a des gens à qui l'Éternel ne donne pas beaucoup d'argent. And that's the reason why there are some people that the Lord doesn't give a lot of money. Parce qu'ils ne peuvent pas manager beaucoup d'argent. Because they cannot manage a lot of money. Tu as une femme aujourd'hui. You have a woman today. L'Éternel te donne seulement 1 million, tu ajoutes 2 autres femmes. And the Lord give you $1 million and you add a second wife. Parce que tu n'as pas cette compétence de manager de l'argent. Because you don't have this ability mais nous, to manage nous that money. Nous avons la bonne nouvelle. But we have the good news. La bonne nouvelle qui the good news fait écrire les noms des gens dans les livres de vie. Who make your name be written in the book of life. Les temps des hommes ici sur la terre sont limités. The time of man here on earth is limited. Si seulement et si nous pouvions savoir. Only and so only that we should know. Que nous sommes des passagers. That we are only travelers. Alors nous apprenions à bien manager notre temps. And we know how to manage well our time. Le temps est un élément que vous ne pouvez pas récupérer. Time is an element that you cannot take back. C'est impossible. It is impossible. De récupérer le temps. To take back time. Et alors manageons très bien nos temps, les heures que l'Éternel nous donne chaque jour. So we have to manage our time very well, the time that the Lord gives us. On nous donne 3 heures du temps. 3 hours is given unto you. Un samedi par mois. One Saturday per month. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. So you can go announce the good news. Que Christ vous a pardonné. That Christ forgave you. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Vous savez si vous commencez à considérer seulement les pardons. And if you start considering forgiveness. Vous allez aimer. You're gonna love God. Parce que nous autres là, nous ne serons pas ici. Hein? It means that we won't be here. Avec tout ce que nous avons fait dans la vie. With all that we did in life. Tout ce que vous avez fait qui est caché encore jusque là. All that we did that is hidden up till now. L'Éternel vous a aussi protégé. The Lord also protected you. Pour les uns, c'est exposé.
From certain people, it has been exposed. Mais pour vous, ce n'est pas encore exposé. But for yours, it has not been exposed yet. Et j'ai remarqué que dans la vie, les gens qui critiquent les autres. And I found out that in life, people who criticize other people. Ce sont les gens qui, en secret. Those are people who are in secret. Sont plus dangereux que le diable lui-même. They are more dangerous than the Satan himself. Parce que le diable, nous pouvons le combattre au nom de Jésus. Because the devil, we can fight him in the name of Jesus. Lui, il écoute le nom de Jésus, il fuit. When he hears the name of Jesus, he runs Mais away. Vous, on va vous combattre au nom de qui? But you, who is going to fight you in the name of who? Hallelujah. Amen. Alors, apprenons bien-aimés en tant qu'église. But beloved, we have to learn as a church. D'aller annoncer la bonne nouvelle. To go and announce the good news. C'est la grande commission de l'église. This is the great commission of the church. Nous existons parce qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. We exist because we have to announce the good news. Hallelujah. Amen. Si Jésus nous a sauvés, if Jesus saved us, il n'était pas seulement mort pour nous. He not only died for us. Il était mort pour tout le monde. He died for all of us. Alors nous avons cette bonne nouvelle. And we had that good news. Que bien aimé, beloved, tes péchés te sont pardonnés. Beloved, your sins are forgiven. Il y a quelqu'un qui a pris ta charge. Someone took your charge. Quelqu'un qui a accepté d'être offensé pour toi. Somebody who accepted to be offended for you. Si tu l'acceptes aujourd'hui, if you accept, il accept commence him today, avec toi la vie éternelle ici. He will start with you eternal life here. La vie éternelle commence ici. Eternal life starts here. Parce que votre esprit est encore dans votre corps. Because your spirit is still in your body. Et lorsque vous commencez la vie éternelle ici, and when you start eternal life here, la mort deviendra une porte qui vous sépare de votre corps. Death will be a door that will separate you from your body. Et vous continuez pour aller vivre éternellement avec Dieu. And you continue to go live eternally with God. Mais vous, by you, vous n'annoncez pas la bonne nouvelle. You are not announcing the good news. Lorsqu'on commence à parler de la bonne nouvelle, when we are talking about the good news, il faut ouvrir vos yeux et vos oreilles. You have to open your eyes and your ears. Alléluia. Amen. Je vais marteler là-dessus bien. I'm going to go ahead and thumbs on it. Nous ne pouvons pas être une église. We cannot be a church. Des gens qui deviennent un club. Of people who become a club. Où je connais que si je viens à l'église, je vais voir papa fidèle, je vais voir maman Adassa. Non. And if it's like it's gonna be when I come to church, I'm gonna see maman Adassa, papa fidèle, and so forth. L'église doit être une place où les âmes s'ajoutent du jour au lendemain. And the church has to be a place where souls get added every day. L'église doit être une place où les âmes se transforment. The church has to be a place where souls are transformed. L'église doit être une place où les âmes sont guéries. The church has to be a place where souls are healed. Donc je vous prie, bien-aimé, I am asking you, beloved, le 29, on the 29th, nous sortirons encore. We'll go out again. Nous irons annoncer la bonne nouvelle. We'll go and announce the good news. Nous irons de porte en porte. We'll go from door to door. Paul avait dit, Paul said, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20, in the Act of Apostles, chapter 20, verse 20, je n'ai cessé d'aller maison après maison. I didn't cease to go from houses to houses pour annoncer la bonne nouvelle. To announce the good news. C'est ce que nous faisons. And that's what we're doing. Maison après maison. House after house. Annoncer la bonne nouvelle. Announcing the good news. Hallelujah. Amen. Qui veut annoncer la bonne nouvelle? Who want to announce the good news? Ah, bon, je ne demande pas qui veut partir le 29. Hein? Qui? Parce que maintenant, là, les gens se réveillent et disent, hey, il venait d'énoncer un verset. And people, un V à l'éternel. He just said, bow to the Lord, so they don't...
They don't want to take that vow. Dieu vous donne l'opportunité même au travail où vous êtes. God is giving you the opportunity even at work. C'est pas pour rien que vous êtes là. It's not for nothing that you are there. Ne prenez pas ça seulement pour l'argent. Don't take it only for money. L'argent ne satisfait pas. Money does not satisfy. Beloved in the Lord. Depuis qu'on a commencé à chercher l'argent ici aux États-Unis. Since we start looking for money here in the US. Qui est déjà devenu millionnaire? Who became a millionaire? Je vois certaines mains s'élever comme ça, donc on n'est pas encore millionnaire. Amen. Vous savez Steve Job? You know Steve Job? Il avait dit ceci. He said that. J'ai atteint le pinacle ou le zénith. I attained the zenith. De ce que les hommes désirent dans ce monde. That people desire in this world. J'ai eu l'argent. I earned money. J'ai eu la notoriété. I earned fame. Mais j'ai compris. But I understood. Et cela ne sert à rien. That it doesn't mean anything. Il y a un Dieu au ciel. There is a God in heaven. L'homme qui a épaté le monde. The person that went in and you know made the world be all in the all. L'homme qui par sa technologie. The man from his technology. A changé le système d'investigation. Change the system of investigation. L'homme qui a eu beaucoup d'argent. The man that earned a lot of money. À un moment donné, le plus riche du monde. At one time, the richest man in the world. Mais il nous dit. But he's saying to us. Ne courez pas après l'argent. Don't run after money. Il y a un Dieu au ciel. There is a God in heaven. L'argent ne lui a pas sauvé du cancer. Money did not save him from cancer. Il a dit. He said. Si seulement je pouvais acheter la vie. If only I could buy a life. Moi, je le ferais. I would have bought it. Mais lorsqu'il a crié à son argent. But when he cried to his money. L'argent n'a pas pu lui répondre. Money was not able to answer him. Mais il y a un Dieu au ciel qui guérit les malades. But there is a God in heaven. Hallelujah. Who healed the sick. Il y a un Dieu au ciel qui guérit les malades. There is a God in heaven who healed the sick. Il y a un Dieu au ciel qui est capable. There is a God in heaven who is able. Il y a un Dieu au ciel qui peut changer le parcours de votre vie. There is a God in heaven who can change the way of your life. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. We have to look for the justice of the Lord and then et le reste and the rest vous sera donné par will be given unto you. Hallelujah. Amen. Cherchez le royaume de Dieu. You have to look for the kingdom désirez of God. Ça. Desire et that. Cette soif là you have to have that d'amener les âmes à Christ. To bring souls to Christ. Depuis que je vous vois, c'est toujours vous que je vois. Every time I see you, you are the only people that I see always. L'église doit se multiplier. The church needs to multiply. Une église qui se veut église. A church that wants itself to be a doit church. Doit savoir se reproduire. Needs to know how to reproduce. Bon, nous bénissons déjà l'Éternel. Nous sommes déjà reproduits à Gainesville et puis à South Carolina. And we bless the Lord because we reproduce in North Carolina, Gainesville and in South Carolina. North Carolina. Oh, Charlotte. North Carolina, Charlotte. Nous avons déjà une extension à Gainesville. We have an extension in Gainesville and one extension in Charlotte. Qui se porte bien. Who is thriving. Charlotte maintenant, ils viennent maintenant, c'est 40-45. Charlotte is growing 45 people at least. Ils m'ont fait les rapports hier. And the report was sent to me yesterday. Et nous, maison mère. And we, the house, the main house. Ne me faites pas la honte, hein. Don't make me be ashamed. Ne faites pas la honte à Dieu. Don't make God be ashamed of us. Le 29. On the 29th. Ah, tout ceci, c'est seulement pour le 29. Moi-même, je me pose la question maintenant. Le 29, nous allons encore sortir à 10h. On the 29, we're going to go out again at 10 a.m. Marquez ça dans vos calendriers. Put that into your calendar. Si vous ne savez pas encore parler. If you don't know how to talk. L'évangéliste sait très bien parler. Evangelist know how to talk. Il va vous dire ce qu'il faut dire. He's going to tell you what you need to say. N'ayez pas peur. Don't be afraid. L'Éternel va nous accompagner. The Lord is going to go with us. Amen. Amen. Ça, c'est la meilleure des religions. This is the best of the religion. Et un second point. And the second point. Le 15. On the 15. Du mois prochain. Of the month of February. Nous irons servir les pauvres. We'll go and serve the poor. Bon, je félicite notre église en tout cas. I congratulate our church. Les gens ont acheté les polos à $20 comme si rien n'était. Ils ont acheté, c'est fini. Hein? Le reste c'est combien?
Those people bought the t-shirt. Ah. Donc, le t-shirt là, hein? Qui veut avoir le t-shirt ici à nous accompagner? Bon, il ne reste qu'un t-shirt. Donnez ça à maman Lydie, hein? Amen. Moi, je vais payer pour ça. Amen. Ok, maman Lydie, prenez ça, hein, chez maman. Et si vous manquez ces jours-là? Hein? Je connais la maison. Hein? Amen. Ne manquez pas. Donc, merci. Nous irons servir les pauvres. We'll go and serve the poor. Ne manquez pas aussi. Don't miss that as well. C'est la meilleure des religions. It's the best of the religion. Nous avons tendance à oublier ça. We have the tendency to forget that. Il y a des gens qui sont démunis. Some people are poor. Des gens qui étaient les riches hier. People who were rich yesterday. Que le système américain a réduit au néant. And the American system brought down. Vous savez, le système ici. You know that the system here. Peut vous faire tomber comme ça. Vous étiez ici, vous tombez. Can bring, you can be up and bring si you down. Si vous n'êtes pas prudent. If you are not surtout careful. Surtout l'IRS. L'IRS. Especially the IRS. Je comprends pourquoi les gens, même au temps de Jésus, n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. And that's why I understand, even in the time of Jesus, people did not like tax collectors. Parce que si l'IRS n'est pas là, mais vous envoie seulement une lettre, votre cœur commence à battre. If the IRS just bring you a letter, you stressed out. Oh, tu nous dois 9,000 et quelques. You owe us 9,000 something dollars. Donc il y a des gens qui ont eu des problèmes avec l'IRS. Some people have some issue with the IRS. Qui aujourd'hui sont sous les ponts. Who are sleeping out on the bridges. Allez à downtown, hein. Go downtown. 17th Street. On the 17th Street. Là où ça fait un croisement avec. Where there is a cross. Je crois, j'ai oublié le nom de la rue là. En bas là-bas. Underneath the bridge. Vous voyez des nattes et des nattes. You will see. I don't know, beds after beds. Des gens qui viennent dormir là la nuit. People who come there and sleep at night. Lorsque vous dormez dans le confort de vos maisons, ils sont là. When you sleep in the comfort of your homes, they are out there. Nous allons servir ces gens à les 15. We are going to serve those people on the 15th. Ne manquez pas. Don't miss out on that. Les 15, c'est à 17h. On the 15th, it's at 5 p.m. Ce sont les dates que vous devez marquer dans vos calendriers. Those are dates that you have to put on your calendar. Qui veut servir les pauvres? Qui va venir servir les pauvres? Caméra appuyée, hein? Hey, la caméra appuyée, je vois vous discuter là. The hein, camera saw you. Amen. Amen. Nous allons bénir un enfant avant le message. We're gonna go ahead and bless a child before the message. Nous sommes bénis dans cette église. We are blessed in this church. L'Éternel ajoute les enfants presque chaque 3 mois. Amen. Amen. Voilà ça, maman Nicolette va prendre et faire son travail. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Nous avions commencé ce thème. We started this theme. Il y a quelques semaines passées. There is a few weeks ago. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième point. Today, I'm gonna talk about the second point. Le thème était les trois touchés du supernaturel. The theme was the three touches of the supernatural. Les trois touchés du supernaturel. The three touches of the supernatural. Les touchés sont des visitations des anges. The touches are the visitation of angels. Et dans notre cas, c'est la visitation de l'ange de l'Éternel. And in our case, it's the visitation of the angel of the Lord. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. The angel of the Lord is Jesus himself. Dans les temps difficiles. In difficult times. Sachez que Jésus est là avec vous. You have to know that Jesus is there with you. Lorsque l'ange est venu toucher Daniel pour la deuxième fois. And when the angel came and touched Daniel for the second time. La Bible dit que l'ange a touché Daniel. The Bible said that the angel touched Lisez-nous Daniel. Daniel chapitre 10 verset 16. Daniel chapter 10 verse 16. Le verset 16. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Mm.
J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Amen. 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 Voilà, l'ange de l'Éternel a touché Daniel. The angel of the Lord touched Daniel. Daniel était dans une désolation. Daniel was into a desolation. Mais l'ange a compris qu'il fallait d'abord réconforter Daniel. And but the angel understood that Daniel needed to be comforted. Il a réconforté Daniel. He comforted Daniel. Je prie qu'aujourd'hui, cet après-midi, I pray that this afternoon, quelqu'un qui est dans la désolation soit réconforté par l'ange de l'Éternel. Someone who is in a desolation be comforted. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'Éternel connaît nos problèmes. The Lord knows our problems. L'Éternel connaît nos projets. The Lord knows our projects. Mais, however, l'ange de l'Éternel a fait quelque chose à Daniel. The angel of the Lord did something to Daniel. Je vais partager deux points cet après-midi. I'm going to share two points this afternoon. L'ange de l'Éternel a permis à Daniel de parler. The angels of the Lord permitted Daniel to talk. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Le monde a été créé par le parler. The world was created with the word. Donc dans le parler, il y a un pouvoir. In talking, there is power. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Is someone here with me? Dieu, il est arrivé dans la surface de la terre. God came over the surface of the earth. Il a vu que les ténèbres régnaient. He saw that darkness was reigning. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Darkness is dark. Vous ne pouvez pas voir dans les ténèbres. You can't see into darkness. En toi, à moins que vous ayez quatre yeux, hein, ou pieds. Quatre quelque chose liés, les yeux. Maybe he have four eyes. Mais dans les ténèbres, personne ne peut voir. But in darkness, no one can see. Si on place devant vous une pierre, if there is a stone, vous allez heurter votre pied parce que vous ne pouvez pas voir. You hurt your feet because you can't see. Certaines personnes dans leur vie, some people in their lives, ont les ténèbres. They have darkness. Ils peuvent pas voir loin. They can't see far. Ils sont limités. They are limited. Ils peuvent pas voir dans le spirituel. They can't see into the spiritual. Les ténèbres ont envahi même leurs projets. The darkness invaded even their projects. Mais lorsque l'Éternel est descendu, but when the Lord came down, il a vu que les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. He saw that darkness was over the surface of the earth. L'Éternel n'a pas parlé ténèbres. The Lord didn't speak. Darkness. L'Éternel a dit que la lumière, hein, and the Lord soit. Said, may the light be. Et la lumière fit. And the light was. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je vous prie aujourd'hui. I pray today. Lorsque vous faites des déclarations. When you do declarations. Dans votre vie. In your life. Ne parlez pas ce qui ne marche pas. Don't talk about what doesn't work. Parlez plutôt la solution de ce qui ne marche we pas. We have to talk solution of est-ce what is not working. Ici? If somebody is understanding me. Vous n'avez pas d'argent. You don't have no money. Parlez argent. You have to talk money. Argent, je t'appelle, entre dans money, ma poche au nom I'm de Jésus. Calling you, get into my pocket et in the name of Jesus. Ma poche. And I close my pocket. Est-ce qu'il y a des poches trouées? Because my pocket is, has vous a hole. Vous appelez l'argent, ça vient. You call money, money comes in. Satan crée un problème. And Satan create a problem. Pour que cet argent sorte de votre so poche. That the money can come out of your pocket. Alléluia. Amen. La Bible dit. The Bible states. Dans Proverbes chapitre 18. In Proverbs 18. Verset 21. Verse 21. La mort. Death. Et la vie. And life. Sont au pouvoir de la langue. Are on the power of the la tongue. La mort. Death. Et la vie. And life. Sont au pouvoir de ta langue. Are on the power of your tongue. Ce que tu dis. Whatsoever you a say. A la capacité de te donner la vie. Has the capacity to give you ce life. Ce que tu dis. What you say. A la capacité de te donner la mort. Can give you death as well. Parce que tu dis. Because you said. C'est pourquoi vous voyez les gens. That's why you will see people. Qui tournent en rond. Who are turning around. Ils travaillent dur. They work hard. Mais ce qu'ils disent. But what they say. Va à la contre de ce qu'ils font. Goes against what they're doing. Et par conséquent. And consequently. Les démons récupèrent ce qu'ils disent. The demon takes what they ils say. Ils vont tuer les fruits de leurs mains. And they go and kill the fruit of their hands. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque vous ouvrez votre bouche, and that's why when you open your mouth, parler, to talk, faites attention. You have to be careful. Dieu n'avait pas besoin de voir la lumière. God didn't have to see light. Pour parler, to talk. Mais il a parlé. However, he spoke. Avant de voir la lumière. Before he saw the light. Et la lumière a apparu. And the light came up. C'est le même principe dans it's nos vies. It's the same principle into our lives.
Vous voulez devenir demain ingénieur? You want to become an engineer tomorrow? Si vous savez que vous devez devenir ingénieur, if you know that you want to become an engineer, commencez à appeler ça. You have to start calling up on that. Je suis ingénieur. I am engineer. Vous n'avez pas encore fini l'école? You haven't finished school yet. Je suis ingénieur. I am engineer. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites ça, and when you do that, vous commencez à avoir des amis, you start to have friends, qui sont ingénieurs, who are engineers, qui peuvent vous aider, who can help you. Vous voulez devenir ingénieur? You want to be engineer? Je m'excuse. Mais tous vos amis, but all your friends, sont les gens qui n'ont pas fini l'école, are people who didn't finish school. Alléluia. Amen. Vous savez, you know, si vous voulez être grand dans la vie, if you want to be great in life, vous devez vous entourer, you have to put around yourself, des gens qui sont plus forts que vous, people who are stronger than you, des gens qui sont plus intelligents que vous, people are more intelligent than si you. Dans un groupe, if they're in a group, c'est seulement vous qui donnez les idées, you are the only one who give ideas, les bonnes idées, good ideas, c'est plus votre place, it's not your place any longer. Amen. Vous devez avoir des gens qui vous effraient. You have to have people who you are afraid of. Des gens lorsqu'ils parlent. People who when they talk. Vous commencez à vous dire, est-ce que moi je connais quelque chose? And you say, do I know something? Ça vous pousse maintenant. It's gonna push apprendre you. Apprendre dans votre domaine. To learn into your domain. Je m'étonne bien aimé dans le Seigneur. I am dismayed. Moi. Que vous voyez ici. That you see je here. Je ne lis pas d'autres livres. I don't read other books. Tout ce que je lis, all that I read, a à faire avec l'évangile, has to do with the book. Parce que c'est mon métier. Because this is my job. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Si vous voulez devenir grand, if you want to be great, parler grand, you have to speak grand. Great. Marchez do, grand. Do great agissez things. Grand. You have to act great. Entourez-vous de grands. You have to vous deviendrez grand. Put yourself around people who are great so alleluia. You can become great as well. Hallelujah. Il y a des gens qui n'ont pas bien dit alléluia. 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 Amen. Amen. Si vous êtes dans une église, if you are in a church, où on ne vous dit pas qu'il faut aller à l'école, and they don't tell you to go to school, it's not a good place. Nous ne traitons pas seulement les spirituels dans l'église. We don't only treat spirituals in the church. Si nous traitons seulement les spirituels, if we only treat spiritual things, enfermons-nous ici seulement. We have to enclose over commençons here. Commençons à vivre ici. And we just need to start living comme here. Ça, lorsque Christ va revenir, so when the Lord comes back, nous montons directement and avec we lui. Go straight with him. Hein? Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, as long as we are in this body, beloved in the Lord, nous devons aussi tenir compte du matériel. We have to take into account material as well. Sinon, over than that, nous allons nous retrouver comme au pays. We are going to find ourselves like back home. Il y a des frères à qui on avait donné le nom de sang de Jésus. Some people were called blood of Jesus. Parce que ce frère-là, il portait seulement une chemise rouge. Because that brother was only wearing a red shirt. Il dit, ah, le Seigneur revient bientôt, je ne veux plus travailler. Le Seigneur oh, revient the bientôt. Lord is coming back, I don't want to work le no longer. Le bientôt de l'Éternel là, il faut faire attention. Depuis qu'il a dit bientôt, il fait maintenant 2000 ans. Hein? And since he said he's coming, it's been 2,000 years. Mais nous now. Sommes toujours dans le bien. But we still in. Mais attention aussi, hein? But be watchful. Il faut vous préparer aussi chaque jour. You have to be prepared parce every day as well. Aussi peut nous surprendre. Because they soon can surprise you as well. Mais quand vous attendez, vous êtes dans les bientôt. But when you are waiting, you are lorsque into vous vivez they come bientôt. Soon. In the soon, when you live in the soon, vivez aussi et dans la chair. You need to live good in your dans body l'esprit. And in your spirit as well. Dans la chair, ça ne veut pas dire in que the, vous allez pécher. In your body doesn't mean you need to dans sin. Dans la chair, vous faites tout ce que vous devez faire pour entretenir bien votre corps. In the body, you have to do everything that you need to do to take care of your body. Parce que ce corps là. Because that body. Vous aider à amener l'évangile loin. It's gonna help you take the good news far. Ce corps, that body, va vous amener dans des missions. It's gonna take you to missions. Ce corps, this body, va vous amener à l'évangélisation. It's gonna take you to evangelize. Et si vous prenez pas soin de ça? And if you don't take care of that body, mais seulement,
But only, ne faites pas de votre corps, don't make your body, un sujet de péché, a subject of sin, où vous manquez de respect et à votre propre corps et à Dieu, and you disrespect your own body and God as well. Vous n'êtes pas encore marié. You are not married yet. Mais vous parlez plus que nous les mariés. But you talk more like married people. Il y a un frère au pays, on avait un frère. We have a brother back home in the country. Lui, il traitait les problèmes de couple, mais lui-même est célibataire. He was taking care of a couple of people, but he was single himself. Quand il commence à vous expliquer comment vivre avec une femme, when he start to explain to you how to live with vous, a woman, vous dites, mais toi, cette expérience-là est où? We ask him, where did you get this experience? Mais lui-même quand il s'est marié, but he himself when he got married, il n'a pas pu tenir une année. He was not able to, you know, spend 1 year. Parlez grand. You have to speak great. Vivez grand. You have to live great. Marchez grand. You have to walk great. Entourez-vous des grands. You have to put around yourself great vous people. Vous deviendrez grand. And you will be great. Bénissez as well. Bénissez vos vies. Bless your lives. Tous les domaines. In all the vous areas. Prenez votre enfant. Take your child and tell him, you, moi ton papa, you, my, you your father, béni. I bless you. Et maintenant, un petit sorcier va venir tenter. Hein? And let's see il if saura pas. A wizard vous can avez come. Mis une barrière à you à put Satan. A barrier to Satan. Vous prenez votre femme. You take your vous wife. Vous la regardez dans les yeux. You look at in her eyes. Vous la dites, ma femme. And you say, my wife, moi, I, je t'aime. I love you. Tu es béni. You are blessed. Et puis, tu es aussi jolie, hein? You are beautiful as well. Amen. Prenez votre mari. Take your husband. Regardez votre mari dans les yeux. Look your husband into the eyes. Dites à votre mari. And tell your husband. Tu es vigoureux, mon mari. You are vigorous, my husband. Tu es vigoureux, mon mari. You are vigorous, my husband. Tu es intelligent. You are intelligent. Amen. Les femmes n'ont pas appris à faire ça. Nos femmes, nos femmes, nos femmes. Our women. Quel est ce jour-là vous avez pris votre mari, vous avez fait asseoir mon mari? And when did you talk to your husband? Bon, j'ai béni l'Éternel pour ma femme, elle fait ça. I bless my wife. Des fois, je lui dis, arrête un peu, chérie. I say, c'est bon. Stop it, it's enough. Amen. Parlez grand. You have to speak great. Parlez bien. You have to speak good. Et pour votre vie. And for your life. Et pour vos projets. And for your project as well. Parce que Satan ne dort pas. Because Satan is not sleeping. Lorsque vous commencez à faire des projets, when you start doing project, lui aussi s'arrange à détruire vos projets. He is out there plotting to destroy your project. Ah, que l'esprit de destructeur soit lui-même détruit. May the spirit of destruction be destroyed in the name of Jesus. Nous annulons l'esprit qui annule we nos projets. We annul the annul our project in the name of Jesus. En 2020, nos projets in vont réussir. In 2020, our project will succeed in the name of Jesus. Nous avions lu un verset dans nos études bibliques. And we read a verse in our biblical studies. La Bible dit que le succès répondra à vos entreprises. And the Bible said that your success will respond to what le, you undertake. Le succès répondra à vos projets. The success will answer your project. Le succès a des oreilles pour entendre. Success has ears to understand. Parlez au succès, viens dans talk ma vie. To success and say, come to my life. Entre dans ma maison. Enter into my house. Et vis avec moi. And live with je me. Je ne te laisserai pas partir. I won't let you go. Comme Jacob avait dit like à Jacob said to the Lord. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. I won't let you go until you bless me. Alléluia. Amen. Les problèmes que vous avez là. The problem that you have. L'Éternel connaît ces problèmes. The Lord knows that problem. Et il veut répondre. And he want to answer. Mais seulement. Only. Ne cédez pas à l'ennemi. Don't give in to the enemy. Ne parlez pas problème. Don't talk problem. Parlez solution. Talk solution. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Parlez solution. You have to talk solution. À vos problèmes. To your problems. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. And that's the way the spiritual realm works. Et ils se réveillent très tôt le matin. They get up early in the morning. Pour détruire les vies. To destroy life. Tu te réveilles avant eux. And you get up before them. À 3h du matin, toi, tu es debout. At 3 a.m. you are up. Avant que eux commencent à détruire ta vie à 5h. Before they start destroying your life at 5. Tu commandes ta journée. You start to command your day. Tu parles à la journée. You talk to the day. Et tous les éléments de la nature. That all the elements of nature. Travaille pour moi. Work for you. Le soleil va se lever pour moi. The sun is going to get up for me.
Donne-moi les vitamines D au nom de Jésus. Give me vitamin D in the name of Jesus. Parlez au vent. You have to talk to the wind. Écoute-moi. Wind, listen to me. Today. Tu vas un peu me caresser. You're gonna caress me a little bit. L'eau. Water. Aujourd'hui, toute eau que je vais boire. Every water that I will drink va me donner de la force. Has to give me strength. Je détruis les microbes des eaux au nom de Jésus. I destroy all the microbes, all the viruses in the water. Vous savez l'eau que nous buvons. You know the water that we drink. Les eaux de bouteilles là. The water, the bottle water. Ce sont les eaux les plus dangereuses. They are more dangerous water. Parce que les camions, je conduisais, je suis un truck driver, je conduisais les camions. I was a truck driver before. J'ai laissé ça. I let it go. À cause de l'évangile. Because of the mais pendant 11 ans, je conduisais les gros camions que vous voyez là. For 11 years, I was a truck driver for 11 years. 18 vitesses. 18 wheels. Il faut frapper deux fois. Ta, ta, ta. Et lorsque vous apprenez très bien, vous ne frappez plus. Amen. RPM, vous changez de vitesse. Vous changez de vitesse. Les pieds se réveillent. Et amen. Repose. Amen. Mais les eaux là, those water, si vous entrez dans les trailers, if you go in a trailer, la température qui est dedans, the temperature in a trailer, bien aimé dans le Seigneur, beloved, vous savez les plastiques, hein? You know the plastic, les plastiques dans lesquels on met l'eau, the plastic in which the water ça is in, ça a une substance, he has a substance, qui donne du cancer, will give cancer. Après s'être chauffé, after it warms, lorsque ça se mélange, when vous it, and when it fuses, you drink it. Ça excite beaucoup de formes de cancer. It's gonna excite a lot of forms of cancer. Donc lorsque vous entrez dans les trailers là, when les you wagons, go into the trailer in a wagon, vous commencez directement à transpirer. You started to sweat. C'est pourquoi. That's why. Même l'eau là, je vois l'eau ici, hein. Even I see water here. Il faut bénir ça. You have to bless that. Hey. You have to bless it. Écoute-moi, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Everything is sanctified by prayer. Je te sanctifie au nom de Jésus avant de te boire. I sanctify you in the name of Jesus before I drink you. Amen. Lorsque vous parlez, bien-aimé. When you talk, beloved. Parlez bien. You have to talk good. Parlez bien de vous-même. Talk good about yourself. Parlez aussi bien des autres. Talk good about the others. Vous savez, si vous commencez à faire cet exercice, and if you start doing this exercise, vous allez vous sentir dans une paix totale. You find yourself in a total peace. Je vous garantis. I guarantee that. Faites cette expérience. Do that exercise. Au lieu de parler de mal des gens, instead of talking bad about cette others, semaine, this week, parlez seulement du bien. Just talk good about people. Pasteur Charlie est bien. Pasteur Charlie is good. Hey, Pasteur Charlie, il est bien. Pastor Charlie is good. Tout ce qu'il fait est bien. Everything that he does je l'aime is beaucoup. Good. I love him a whole lot. Vous passez Pasteur Charlie. And you talk about. Pasteur Fidel, il est bon. Papa Fidel is good. Je l'aime beaucoup. I love him a lot. Ma femme est bonne. My wife je is good. Beaucoup. I love her a whole faites lot. Faites cet exercice. You have to do this exercise. Vous allez voir que Satan n'aura plus par où entrer. And you see that Satan would have no way to enter. Vous lavez votre esprit. You have to wash your, you wash your et spirit. Et l'âme maintenant. And your soul devient obligée d'obéir à l'esprit. Will be obligated to obey to the spirit. Mais lorsque vous commencez à parler, but when you start talking, c'est vraiment le mal. Only bad things. Vous attendez seulement qu'un pasteur tombe dans les péchés. You only want the pastor to fall into sin. Des fois j'ai mal, hein. Sometimes I hurt. Lorsque quelqu'un comme ça tombe dans les péchés, oui. Après when someone get into the sin. Mais lorsque c'est un pasteur, c'est déjà dans tous les réseaux sociaux. When it's a pastor, it goes everywhere in the social media. Les gens ne prennent pas le temps de prier pour ces gens-là. People don't take time to pray for those people. Ils ont une onction spéciale. They have a special unction, mais ils ont aussi des tentations spéciales. They also have special temptation as well. Je n'encourage pas les péchés. I am not encouraging sin. Mais ça nous aidera dans le corps de Christ. And that will help us in the body of Christ. De commencer à prier pour les hommes de Dieu. To start praying for man parce of ces God. Hommes-là because those people peuvent nuire à beaucoup de générations. They can be negative to a lot of generations. Priez pour eux. You have to pray for parlez them. Bien. Talk good. Hallelujah. Amen. Le deuxième touché. The second touch. Vous aide avec la bouche. Will help you with the mouth. La Bible dit ceci. The Bible states. La langue. The tongue. Est un petit membre. It says a little member.
dans le corps humain. In the human body. Mais la langue, but the tongue, la Bible la compare. The Bible compares à une flamme de feu. Like a flame of fire. Peut éclabousser toute une forêt. Who can destroy a whole forest? Lorsque vous prenez une flamme de feu, une allumette, vous allumez. When you take a match and light it, c'est une petite flamme. It's a lot of flame. Mais lorsque vous jetez dans but la forêt, vous throw it in the ça, forest, ça peut prendre tout. He's gonna embrace the whole forest just like that. La Bible dit, and the Bible la says, langue a la même capacité. The tongue has the same capacity. Savez, you know, une de mes bien-aimées avait dit ceci. One of my beloved said, elle est au pays. She's back home. Vaut mieux ne pas faire le mal. It's better not to do bad. Que de faire le mal à quelqu'un, commencer à venir demander pardon. And do wrong to someone and come. Ask for forgiveness. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? And you understood what vous I said. En premier temps, is to start with. Avant de poser l'acte que vous voulez poser. Before you do what you wanted to do. Réfléchir et ne pas poser l'acte. You have to think before you do what you wanted to do. Au lieu de détruire l'âme de quelqu'un. Before you destroy somebody's soul. Et après quoi vous venez avec le pardon? And after you come for forgiveness. Est-ce que nous nous comprenons ici? Do we understand each other? La langue. The tongue a la capacité de détruire plus que le fouet. It has the capacity to destroy more than a whip. Et la Bible dit, and the Bible said, quelqu'un qui est capable de maîtriser sa langue, a person who is able to master the tongue, est aussi capable de maîtriser tout son corps. Is able to master all the body as well. Hallelujah. Amen. Daniel était dans la même situation. Daniel was in the same situation. Il devait parler. He has to talk. Mais parlez bien. But talk good. Bénissez vos vies. Bless your life. Ne dites pas que vous n'êtes pas jolie. Don't say that you are not pretty. Ne dites pas que rien ne marche avec vous. And don't say that nothing is working for you. Ne dites pas que depuis que vous êtes venu aux États-Unis, rien ne marche. Don't say that since you come to the US, nothing is working. Vous appelez ça l'existence. Working. You call it that into existence. Détruisez cet acte de Satan. You have to destroy this act of Satan. Dites que tout marche avec moi. You need to say ça everything is well with me. Everything is well. Everything is well with me. Hallelujah. Amen. Bien-aimé. Beloved, je veux à ce que vous puissiez changer la manière dont vous parlez de vous-même. I would like for you to change the way you talk about yourself. Ça va changer votre vie. It's gonna change your life. Si hier vous étiez dans les péchés, if yesterday you were in sin, c'est le passé. It's the past. Ne retournez plus là-bas. Don't go back over there. Mais no Dieu longer. Peut commencer avec vous aujourd'hui. But the Lord can start with you today. Dieu peut commencer avec vous aujourd'hui. God can start with you today. Je répète, Dieu peut commencer I avec repeat, vous aujourd'hui. God can start with you today. Il est le Dieu de la grande compassion. He is the God of the great compassion. Il est le Dieu qui peut vous refaire. He is the God that can restore you. Il est le Dieu qui peut vous donner une autre image de la vie. He is the God that can give you a new image of life. Il est le Dieu qui peut vous réjouir encore. He is the God that can make you rejoice again. Il y a encore de l'espérance. There is still hope. Parlez bien. Talk good. Lorsque Jésus vous visite, when Jesus visits you, il vous touche, and touches you, commencez à bénir votre you vie. Have to start blessing your life. Commencez à bénir votre mariage. You have to start blessing your marriage. Commencez à appeler ce qui n'a pas encore existé dans you votre vie. You need to start calling what has not existed in your life commencez yet. Commencez à dire que moi je suis la tête. You have to say I am the head. Hallelujah. Amen. Deuxième chose dans le second thing, second touch. Jésus veut vous faire savoir qu'il est là. Jesus wants to make you know that he is Jésus there. Avec nous. Jesus is here with us. Bien-aimé. Beloved. Jésus est avec nous. Jesus is with us. Lui n'est pas un homme pour mentir. He's not a man to lie. N'est pas aussi un fils de l'homme pour se repentir. He's not a son of man to repent as mais well. Mais il est là dans sa parole. But he is there with his word. Dans Marc chapitre 4. In Mark chapter 4. Verset 35 à 41. Verse 35 to 41. Évangéliste, lisez-nous un peu plus vite, hein. Amen. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc 4, 35 to 41. Écoutez très bien ce qui se passe ici. Listen what's going on here. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons
à l'autre bord. Le même jour, the same day, ce soir-là, on the afternoon, Jésus leur dit, Jesus told them, passons à l'autre bord. Let's go on the other side. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, lorsque Jésus vous dit passons à l'autre bord, when Jesus said let's go to the other side, Jésus sait que vous allez arriver à l'autre bord. Jesus knows Amen. That you're gonna get to c'est the other side. C'est pourquoi il vous dit passons à l'autre bord. That's why he said let's go on the other side. Les gens à qui Jésus a dit passons à l'autre bord. The people with whom Jesus said let's go to the other side. Voyez ce qu'ils vont faire. See what they're gonna do. Lisez. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Vous voyez ici ce qui se passe. Hein? You see what's going on here. Jésus les a dit, Jesus told them, allons de l'autre côté. Let's go on the other parce side. Parce qu'il est sûr de lui-même. Because he's sure about himself. Il est Dieu. He's God. Il s'en va dormir. He's going to sleep. Maintenant, now, le vent frappe. The wind is blowing. La tempête frappe. The hurricane is going down. Vers Jésus. And they come toward Jesus. Ils vont accuser Jésus. And they go and accuse Jesus. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous allons mourir? Lord, you don't worry about that we are going mais to die. Mais je vous avais dit que nous allons dans l'autre bord. But I said that we're going on the other side. Pourquoi vous inquiétez-vous? Why are you worrying? Moi, je vous ai déjà dit que nous allons arriver là-bas. I already said that we're going to reach it on the other side. C'est la même chose qui se passe dans nos vies. Hein? And that's the same thing that's Jésus going on in our life. Dit, God, Jesus mais je suis là avec vous. I am here with you. Mais lorsque le problème arrive, but when there is a problem, vous commencez à dire à Jésus, and you start telling tu m'as Jesus, abandonné. Oh Lord, you let Jésus, me tu down. M'as abandonné vraiment. Lord, you let me down. Pourquoi tu m'as abandonné comme why ça? Why did you abandon me? Mon in père this? Est mort comme ça. Oh, my father Jésus, died. Mais Jésus vous a dit que je serai avec vous but tous Lord les say, jours. I will be with you every day. Hein? Et continuez, lisez. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. En d'autres termes, in other terms, Jésus va parler aux éléments de la nature. Jesus is going to talk to the element Jésus of nature. Jésus va parler au vent. Jesus is going to talk et to Jésus the wind. Jésus va parler à la mer. And Jesus is going to talk to vous the sea. Que le vent écoute, hein? You know that the wind listens. La mer aussi écoute. The sea also listens. Jésus annonce and au vent. Jesus is announcing to the wind. Lisez. Silence. 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 Ah, je prie que tout menace et ennemi Satan dans votre vie soit silencié maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. All satanic be silenced now in the name Satan of Jesus. Satan utilise les éléments de la nature pour pouvoir nous détruire. Satan utilize the element of the nature to destroy us. Nous devons taire les éléments de la nature. We have to make the element of the nature be shutting down against us. Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah. Quel est cet homme? Who is that man? Cet homme est aujourd'hui avec nous. This man is here cet with homme us. A choisi de vivre dans nos cœurs. He chose to live in our cet hearts. Homme-là a la capacité de parler aux this éléments de la nature. This man has the capacity to cet take to the element of nature. Cet homme-là peut tranquilliser la tempête qui vous frappe. This man can stop the tempest c'est cet homme-là que nous prions. That's the man that we c'est pray Jésus-là. To. This Jesus. Il est capable dans votre he vie. Is able in your life. Il est capable d'arranger votre situation. He is able to fix your situation. Mais voyez-vous en lui. Il vous a dit que tout ira bien. He said that all will be well. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. You have to put your faith into the word of God. Ce que lui a dit. What he said. Ce qu'il a prononcé. What he pronounced. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. You don't have to go anywhere else to look tout for. Tout ce que vous avez à faire. What you have to c'est do. C'est de lui dire. Is to tell Seigneur, him. Seigneur, tu y as dit.
Father, you said. Levez-vous, on va prier. Stand up, we're going to go. Qu'est-ce que l'Éternel a dit pour vous? What the Lord said for you. Pour la situation qui vous accable. For the situation that is affecting you. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Et first la paix de Dieu. And the peace of God. Toute intelligence. Above all intelligence. Gardera vos cœurs. Will keep your heart. And your thoughts. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Beloved in the Lord. Nous allons ensemble dire. We are going to say Seigneur, together. Lord. Seigneur. Je rejette les inquiétudes. Je rejette les inquiétudes. De ma vie, je rejette les inquiétudes. De ma vie, je rejette les inquiétudes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as dit que tu seras avec moi. Tu m'as dit que tu seras avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je marcherai avec toi. Ma vie va bien. Tout 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 va bien. Que vous allez acclamer, tout va bien. Alléluia. Je dépose dans leurs mains. I put into their hands. La capacité de reproduire. The capacity to reproduce. La capacité de gagner. The capacity to earn. La capacité de projeter. The capacity to project. Et la capacité d'accomplir. And the capacity to accomplish. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur. Lord. Je couvre toutes les maisons de ton sang. I cover all the houses with your blood. Que l'ennemi oublie leur adresse. May the enemy forget about their address. Que leur adresse soit à jamais oubliée dans le monde des ténèbres. May their address be forgotten in the name of Christ. Donne la paix à quelqu'un qui pleure. Give peace to somebody who is crying. Donne courage à quelqu'un qui gémit. Give courage to somebody who is in pain. Mon Dieu. My God. Tu es capable de le faire. Seigneur, prouve-nous. Father, prove it prouve to us. Seigneur, prove it to us. Tu es toujours là. That you are always tu there. Encore. That you still nous acting. Que dans les écritures, and we say that you know that in the scripture tu you es said. Le même. You are the same. Hier, yesterday. Aujourd'hui. Today. Éternellement. And forever. Nous mettons foi en cette parole. And we put faith que in tu that vas word, agir, Seigneur. That you're gonna act, Lord. Nous changeons notre parler. We nous break. Allons parler bien. We're gonna talk nous good. Allons parler bénédiction. We're gonna talk blessing. Et nous allons nous entourer des gens qui sont plus grands que nous. People that were dans greater le nom than de Jésus, in the name of Jesus. Tous les grands et toutes les grandes acclament l'Éternel. Alléluia. 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 Vous pouvez asseoir que l'Éternel vous bénisse. You may be seated. May the Lord bless you. Alléluia. I swear. We'll be right back.